profiter de cette expérience pour la découper en deux parties. Une première partie relativement classique où on a projeté un diaporama dans le monde virtuel en se disant que ça allait permettre aux gens de s'habituer progressivement sans les perturber trop dans leurs habitudes. Et une deuxième partie à ce cours qui a été beaucoup plus dynamique avec un véritable scénario pédagogique sur le thème de la soirée qui était les grands brûlés. Et on a mis tous les acteurs qui étaient présents dans les salles et qui assistaient au cours au creux de l'action, au cœur de l'action. Ils se sont retrouvés face à une maison en flammes, au milieu des camions de pompiers et de l'action des secours, avec à côté d'eux la personne qui faisait l'exposé et qui faisait la présentation, qui en temps réel leur posait des questions et leur demandait de réagir et leur demandait ce qu'ils auraient fait dans ce cas-là. Donc ça, c'était une expérience déjà beaucoup plus intéressante, vous me parliez, et celle de l'enseignement de la médecine de catastrophe.